partie de la journée. Passer prendre un informateur ennemi. Vole là et va le chercher comme convenu. Sheldon, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ce bordel? Et voilà. Je crois qu'on est en face d'une nouvelle menace, mon pote. J'étais juste à côté de ce village quand soudain, un truc est sorti de nulle part et s'est mis à mitrailler tout ce qui bougeait. Un vrai massacre. Y a pas d'autre mot. Mais au milieu du chaos, je crois qu'un rebelle a réussi à abattre le robot volant. C'est encore des médiciens qui paient. Mais c'est quoi ces robots? Instruction numéro 1. Grâce au supermoteur alimenté au Bavarium, l'utilisateur peut propulser et décoller depuis la Terre ferme. Numéro 2. Utilisez le boost dans les airs pour accélérer. Ah, attends, il y a encore autre chose. Important. Bavarium trop puissant et instable, le boost sera bloqué quelques secondes. Sinon, le moteur s'enchaînera. Ça devrait éviter les risques d'explosion. C'est bon à savoir. Pourquoi les inventions de Dima finissent toujours par une explosion? Ah, attends. Sécurité avant tout, pas vrai, Sheldon? Une fois près du sol, un tir et un train pour atterrir en douceur. D'après les tests, ça réglerait que vous serez. Mais comment tu sais tout ça, Sheldon? Ah! Si j'aurais jamais pu deviner tout seul, j'ai trouvé des notes grippouillées par des mains sur un papier. J'ai encore une petite note pour toi. Esquive rapide. Pour éviter les tirs ou obstacles en approche, l'utilisateur peut faire un tonneau.
drone. Ils creusent dans le sol. Donc en gros, il leur faut du bavarium. Ça sent le Diravelo à plein nez, cette histoire. Ce serait le bon moment pour me les donner. Bon, attends. Garde-moi un peu ça. Il y a autre chose dans notre appareil. Instruction numéro 5. Je
Sheldon, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ce bordel? Et voilà. Instruction numéro 1. Grâce au supermoteur alimenté au Bavarium, l'utilisateur peut refuser et décoller depuis la surface. Numéro 2. Utilisez le couple dans les airs pour atterrir. Ah, attends, il y a encore autre chose. Important. Bavarium puissant et instable. À savoir pourquoi les inventions de Dima finissent toujours par une explosion. La sécurité avant tout, pas vrai, Sheldon? J'ai trouvé d'autres drones. Ils creusent dans le sol. Donc en gros, il leur faut du bavarium.
Spacesuit, ce serait le bon moment pour me les donner. Bon, attends. Ferme-moi un peu ça. Il y a autre chose autour de la feuille. Instruction numéro 5. La mitrailleuse montée à l'épaule est désormais stable. La ligne de visée est indiquée sur la trajectoire du vol. Ah, et un deuxième chouchou pour toi, mon pote. Permet de tirer une missile à cette visée Bavarium. De ralliement des drones. Alors comme ça, le fameux l'ennemi juré des dictateurs. Très bien, Eden Callaghan. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, donc vous écoutiez. Pendant un instant, j'ai cru que tous ces tirs et ces explosions avaient fini par se rendre sourds. Viens vous chercher, Eden. Et je vous arrêterai. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous avez fait, je me trompe. Il n'est pas trop tard pour vous. Je suis en route, Sheldon. Mais je comprends pas tout. Pourquoi la corporation Eden a besoin d'autant de Bavarium? À savoir. Et apparemment pour eux, ça justifie de tuer les civils. Et c'est là que l'on se passe. Donc j'utilise des armes au Bavarium pour descendre des drones au Bavarium. Une journée comme une autre.
Sheldon, on a un tout petit problème. Ils ont un foutu zeppelin. Hein ? Un zeppelin ? Putain de merde ! Comment ils ont réussi sous là, ces cons ? On dirait un énorme vaisseau citerne. Je te parie que tout le truc est alimenté au Bavarium. Ça explique pourquoi ils tiennent tellement à en extraire. Et ils seront prêts à tout pour en avoir plus. Je pense pas qu'ils demanderont poliment. Je les laisserai pas faire encore plus.
Ah. Yeah.
pourtant que je lui ai mis une bonne claque à la surface. Est-ce qu'il peut y avoir un échec ? Mais je vous promets, j'ai déjà 12 coups d'avance. Pas dessus, Hélène. Fais sauter. Du respect pour vous, Rico. Si seulement je pouvais découvrir que vous avez tué nos forces de sécurité, fait sauter nos installations d'extraction et endommagé notre contrat. Sur cette corporation. Oh, Rico, c'est quoi la vie? Si j'ai
aviez raison, t'es vraiment dans la merde. La grosse merde. Je trouve un moyen d'entrer dans le Zeppelin. En attendant, je vais voir si je peux trouver plus d'infos aux archives. Les archives? Quelles archives? Curiosité, Eden. Comme vous voulez, mais ne dites pas que je ne pourrai pas prendre. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Fermé. Je suis dans une sorte de jardin bizarre. Très bien, j'ai trouvé un plan du Zeppelin. C'est une longue histoire, mon pote. Attends que je trouve où c'est. Ok, le centre de contrôle a l'air d'être de l'autre côté. Tu vas devoir trouver un moyen de traverser. Surprise, Sheldon. Faudra qu'on parle quand j'aurai un peu de temps. Très bien. Je crois que je suis dans un entrepôt à drones. Et j'ai l'impression qu'on m'observe. Je crois que tu y es. Fais gaffe à toi, gamin. Ça marche pas. Il remonte à quand tes codes, Sheldon? Hein? Mais c'est pas possible! C'est quelqu'un qui bosse pour la corporation Eden qui me les a donnés! Enfin, c'est pas égal, ça. Il a réuni à la bouche. C'est-à-dire que c'est un peu occupé, Sheldon. Oh,
aussi, mon pote. Ça me rappelle beaucoup l'attaque de l'extraction de Bavarium. Merde. Je sauve les habitants de Medici. On tire dessus.